Salut à tous et bienvenue dans ce sixième numéro du Grenat Football Club. Ça faisait 41 ans qu'on l'attendait, cette victoire du FC Metz face aux Girondins de Bordeaux. Une victoire qui fait du bien au Messin, deuxième victoire consécutive après la victoire face à Nice, une victoire acquise à la dernière seconde sur un but de Wagner. On va revenir dessus tous ensemble. On est nombreux cet après-midi pour débriefer cette victoire et on la débriefe avec vous, donc n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous avez pensé de ce match et on reviendra avec notre équipe du jour sur vos commentaires et on en discutera avec vous. Je vous présente tout de suite mon équipe du jour avec, donc on a Klaas ten Dutch qui est avec nous. Salut Klaas. Et bonsoir. Alors, bon après-midi, plutôt l'habitude du bonsoir, mais faut qu'on se passe à l'horaire des 13h. Donc pour les Chinois, ni hao. le public chinois qu'on embrasse, on espère qu'on en a convaincu quelques-uns de nous suivre. On a aussi Titi qui est avec nous. Salut Titi. Salut à tous. Et enfin, on a Rémi avec nous, l'homme de la French Valley. Salut Rémi. Salut Ben, chers auditeurs, chers auditrices, bonjour. Chers auditrices, il n'y en manque pas une. Les gars, bon, je pense qu'on est un peu redescendu depuis, ça fait quoi maintenant, une heure et demie que le coup de sifflet final a retenti. On va essayer de débriefer le plus à froid possible ce match, cette superbe victoire de nos Grenats. Et on va commencer par tout simplement le débrief de ce match complet, on va dire. Vous allez me dire un peu ce que vous en avez pensé. Tout d'abord, je vais commencer par toi, Klaas. On l'a vu ensemble ce match, un match où on a été bousculé en première période. Ouais, ça a été compliqué. On s'est dit à la mi-temps qu'on n'était pas dans le match et que ça ronflait quand même copieusement. On voyait avec un peu de mal d'ailleurs comment on pouvait inverser la tendance, même si Bordeaux n'a pas été dangereux du tout. Hein. Il y a eu une frappe cadrée, si je ne dis pas de conneries, sur les stades en première mi-temps. On n'a pas vu aucun sujet du match, à part s'il n'y a eu d'arrêt à faire. C'était compliqué. On ne sait pas ce qui a mis dans la potion magique à la mi-temps, mais ce qui a pu amener l'équipe en deuxième période. Rémi, tu rejoins Klaas sur ce débrief? C'était la sieste et bon voilà, on s'en rend compte d'ailleurs sur le but où au moment de la frappe de Kalou, on prend à 3 devant 5 dans la zone de Kidja, il y a je crois Braun, Piaté et Santons qui sont tous les trois là et personne sur le portrait. Je crois que c'est Santons qui sort, Belen qui sort sur, je sais plus. Mais voilà, on avait eu un peu de présence dans les zones chaudes et Bordeaux prenait d'assaut nos 30 mètres et c'est assez logiquement qu'on se fait punir. Voilà, ça nous a servi aussi, ce but, ça nous a servi à nous remettre sur les bons rails, je pense. On avait aussi un problème de l'autre côté, c'est-à-dire que, comme d'habitude, on avait assez peu de monde devant, et quand on essayait de ressortir les ballons, on se retrouvait à avoir le jeu assez stéréotypé qu'on avait, c'est-à-dire de lancer Vergueil en espérant qu'il réussisse un contrôle, ce qu'il a plutôt pas si mal réussi à faire cette fois, mais voilà, c'est délicat de nous sortir sur ça. Il y a eu un changement total d'approche du match en deuxième mi-temps qui nous a complètement libéré et qui a fait inverser le lead sur le match. Ouais, Titi, là aussi je pense qu'on va rejoindre Rémi et Klaas là-dessus. Gros début de match des Bordelais qui était attendu sur ce match-là, surtout à domicile et vu la forme récente de l'équipe. Oui, cette première mi-temps m'a un peu fait penser à celle contre Montpellier au début du mois où finalement il se passe pas grand chose de l'autre côté en fait, c'est une mi-temps assez vide on va dire, avec une plus grosse envie au retour des vestiaires, sauf que contre Montpellier ça s'était retombé assez vite après notre but, alors que là il y a toujours eu une volonté d'aller chercher plus, d'aller chercher l'égalisation d'abord, et ensuite on ne s'est pas contenté de ça, on est allé chercher les 3 points, ce qui n'était pas le cas dans ce match précis contre Montpellier. Je trouve quand même qu'on a une fâcheuse tendance à jouer qu'une mi-temps sur deux. Si je reprends l'exemple du match de Montpellier, on joue que la deuxième mi-temps. La semaine dernière, on joue
que la première mi-temps et on a un peu plus de mal en seconde mi-temps. Et là, de nouveau, aujourd'hui, on passe à côté de la première mi-temps avant de se ressaisir de belle manière, mais on est assez irrégulier au sein d'un même match, je trouve. Ouais, les gars, ça c'est un truc sur lequel j'aimerais vous entendre un peu, c'est ce que dit Titi, c'est cette fâcheuse tendance qu'ont nos Messins à jouer une mi-temps sur deux. Là, c'est un truc sur lequel on a réagi pendant le match, toi et moi, comment on l'explique? On n'est plus vraiment dans l'enchaînement des matchs actuellement, on revient sur un rythme de un match par semaine. Comment on peut expliquer que ce soit aussi dilettant et différent d'une mi-temps sur l'autre? Je vais rejoindre peut-être un petit peu Antonetti. Bon, il l'a pas dit, ça n'a pas dû passer dans la conférence d'après-match, mais le match à 13h, ce n'est pas un horaire auquel on est habitué. Donc là, peut-être qu'on a eu du mal un peu à rentrer dans le match. Mais c'est vrai que par rapport aux rencontres précédentes, ça serait pas mal qu'on joue un match pendant 90 minutes. Contre Nice, on a été plutôt dans la mauvaise gestion. Là, on a eu un FC Metz à réaction, donc c'est plutôt positif de le voir dans le sens-là. Mais j'ai du mal à l'expliquer. On n'est plus dans la répétition des matchs. Quelle est la méthode pour qu'on joue un match pendant 90 minutes? Même on l'a vu, hein, là sur la fin de match, on se l'est dit, à partir de la 80-85e, on a commencé à baisser le pied un petit peu, à reculer, je pense, parce qu'ils étaient cuits. Il y avait une grosse décharge d'énergie sur le retour de la pause. Ça va être intéressant de voir ce qu'on peut produire d'ici la fin de la saison sur un match complet. Rémi, toi aussi, c'est un truc que tu attends de voir ce FC Metz-là faire une prestation comme celle qu'elle a fait en deuxième mi-temps. On en reviendra plus en détail là-dessus. Tu veux voir un FC Metz comme ça sur 90 minutes? Est-ce que c'est faisable selon toi? J'allais aborder ce sujet quand on parlera de la deuxième mi-temps plus en détail. C'est difficile de jouer comme on a joué la deuxième mi-temps pendant 10 minutes, c'est-à-dire avec un pressing très haut, beaucoup d'intensité. Il y a forcément eu. Comme à Nice, hein. À Nice, c'était exactement le même schéma. Exactement, et il y a forcément une notion de gestion d'effort à tenir en compte. Il y a un autre phénomène qui explique cette difficulté-là, c'est que cette période post-Covid, là, elle donne un avantage. Donner un avantage pour pouvoir tenir ce rythme pendant 90 minutes, c'est qu'elle nous donne la possibilité de faire 5 changements qui peuvent être très très importants pour pouvoir répéter les efforts. Le problème, c'est qu'avec tous les blessés qu'on a, on est en difficulté quand il s'agit de faire rentrer des joueurs. Aujourd'hui, on fait rentrer Pajot qui est de retour de blessure. Pas sûr qu'on aurait fait rentrer un Chimbembe. Pas sûr que si Maïga était là, on rentrait un banc. Voilà, c'est difficile avec la faiblesse sur le banc de se permettre de faire tourner et d'avoir ce rythme pendant 90 minutes. La deuxième chose, c'est qu'on peut faire une bonne première mi-temps sans nécessairement partir sur l'intention de la deuxième. C'est-à-dire que si on décide de sécuriser un peu notre zone, de défendre assez bas, il ne faut simplement pas oublier de sécuriser les abords de la surface, ce qu'on n'a pas fait en première mi-temps et ce qui nous a mis en grande difficulté. Je voudrais remercier tous ceux qui sont présents avec nous. Là, on est quasi 25. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à l'émission pour suivre tous nos débriefs. On est là de toute façon à chaque match du FC Metz pour débriefer la prestation de l'engrenage. Salut Valou, Anne-Sophie, Geoffrey qui est là, qui est habituellement à l'écran avec nous. La maison du Grenat qui a fait un très bon avant-match sur ce Bordeaux Metz, et je vous invite à aller voir les contenus qu'ils font. N'hésitez pas la team à réagir à ce que vous avez vu cet après-midi. On va tout de suite, je vais continuer avec toi. On va parler de ce qui t'a marqué, toi, du coup, c'est cette deuxième mi-temps des Messins qui reviennent donc d'une première mi-temps un peu timorée et qui tout de suite vont mettre en place un rouleau compresseur et on va plus voir Bordeaux sur toute la deuxième mi-temps et qui va nous mener indubitablement vers la victoire. Ouais, alors on a vu cette idée de faire un petit zoom sur un aspect intéressant du match de Metz. L'aspect intéressant ici aujourd'hui, clairement dans ce revirement de l'esprit en deuxième période. On a vécu une première mi-temps qui était assez délicate parce que en 15 minutes, on a un peu bu la tasse et cette domination bordelaise, elle a été concrétisée. Hein. C'est assez rare que Bordeaux
concrétise cet encore, c'est une équipe qui a envie de buter, mais ça leur a permis après de gérer tranquillement le reste de la première période, et ils l'ont géré sans trop de difficultés, parce qu'on manquait de qualité technique et de nombre devant côté Messin. Alors la question à la mi-temps, c'était comment faire pour mettre en difficulté le bloc bordelais et les empêcher de jouer dans notre profondeur, c'est-à-dire là où on est. Et la réponse, c'est qu'on a tout simplement abordé la deuxième mi-temps comme on a abordé la première à 10. Ça se traduisait tout d'abord par un pressing qui était assez haut, hein, il faut le dire, avec un gros encadrement du porteur. On se retrouvait souvent avec des situations où on était 3-4 porteurs bordelais lors des transmissions vers l'avant, mais aussi lors des transmissions vers les latéraux. C'est le pressing trap qui est assez classique, c'est-à-dire de bloquer le latéral contre sa ligne de touche et de réduire ses solutions. C'était souvent le cas pour le latéral droit bordelais, Sabali, qui était souvent piégé par Delaine, Sarr, en appui de Boulaya aussi. Boulaya qui a fait encore une fois énormément d'efforts dans ce match, c'est à souligner. On cadrait très haut les relanceurs bordelais, du nombre toujours dans le camp bordelais, avec l'objectif de probablement de bloquer Jean-Michel Seri, qui est la plaque tournante, et qui avait des facilités à trouver Zerkan, qui lui nous mettait en difficulté dans nos 30 mètres. Donc l'objectif, c'était vraiment de restreindre cette liaison-là, et on l'a fait, hein, en allant cadrer sur les relances de Costil, sur les relances des défenseurs de soir, cadrer les milieux de terrain bordelais, qui se sont débarrassés plus facilement du ballon. Cette gestion du pressing, elle nous a permis après de gérer mieux nos contres et nos phases offensives. On avait un Seri qui d'ailleurs était très frustré, hein, de toucher moins de ballons et qui lui sonnait la charge sur les pressings bordelais. C'est vrai. Et ça a mené à notre but, parce que ça a permis à Delaine d'être lancé seul face à Baïs, qui devait faire du recul frein et qui n'a pas pu intervenir. On avait aussi un plus grand nombre de joueurs net adverses, avec des périodes de possession très hautes. On avait souvent 6-7 joueurs dans les 30 mètres adverses, là où en première mi-temps on était 2, 3, voire 4 grands max. Et c'est encore une fois ça qui fait la différence, et qui avait fait la différence un peu contre Nice, mais qui nous manquait cruellement. Hein. C'est du monde. Il y avait aussi, j'ai trouvé, une facilité pour Delaine, qui a pu se mettre bien en évidence pendant ce match, c'était que les trois défenseurs bordelais cadraient les deux attaquants messins. C'était souvent un contre un Sabali Delaine, et Delaine, il a été mis dans des conditions idéales, c'est-à-dire lancé, il prenait de la vitesse depuis bas, il est à l'aise dans ces situations-là, ça se voit aussi sur le but, il est à l'aise quand il prend la vitesse et qu'il doit jouer de la terre à la terre. On le voit d'ailleurs sur le but, c'est sur un superbe lancement de John Boy dans l'espace. C'est un John Boy qui est très haut d'ailleurs sur le terrain, qui lance Thomas Delaine sur la passe décisive. Ouais, c'est John Matarboy là, mais il sort une passe. On a confondu. C'est indécent. Après voilà, bon, ce plan, il a des difficultés, des dangers forcément. La première, c'est que c'est très consommateur en termes d'énergie. Mais on a des joueurs avec une certaine VMA, de l'Est, Star, c'est assez impressionnant aussi. On a un Baïga, un Pajot qui vont venir, donc ça m'a fait un bien. Il y a aussi un truc, c'est que Star, il s'est beaucoup aventuré dans d'autres zones, particulièrement celle de Sabali, où il allait en soutien de Delaine. Alors le problème, c'est sur les pertes de balles et les contre-attaques bordelaises qui peuvent repartir par l'axe, avec Angban qui avait du mal à sécuriser toute la zone axiale, c'est dangereux. Et d'ailleurs, sur l'occasion de Kalou en deuxième mi-temps, vous le verrez, c'est exactement le cas. Hein. C'est vraiment, ça repart dans l'axe avec Seri et où il y a personne. Voilà. Il y a aussi une gestion de la profondeur, mais qui était plutôt bien gérée en deuxième mi-temps, là où on était en difficulté d'habitude. Non, c'était une deuxième mi-temps très sérieuse et très ambitieuse, ce qui est d'ailleurs très frustrant, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup vu cette saison. C'est ces ambitions offensives, défensives et offensives, qu'on n'avait pas vu contre Strasbourg récemment, qu'on n'avait pas forcément vu longtemps contre Montpellier. C'est frustrant parce qu'on se dit que cette équipe est capable de bien mieux faire sur le long terme. Il y a eu aussi un gros changement par rapport à la première mi-temps, c'est que le jeu a changé de côté. On penchait totalement à droite, c'est Santonce qui touchait le plus de ballons en première mi-temps, tu l'as pointé Ben à la mi-temps, et les deux buts sont arrivés de la gauche. Et d'ailleurs, systématiquement, la plupart de nos avancées, nos attaques offensives venaient de la gauche. Donc, alors qu'on avait dit que Sabali faisait une bonne première période, bah, curieusement, il s'est effacé, voire effondré en deuxième période, et il a pris l'eau de la part de Delaine, puis de Wagner sur le contre décisif tout à la fin de match. Wagner qui fait d'ailleurs, Titi, je pense que je sais pas ce que tu en as pensé, je trouve que Wagner fait une entrée assez intéressante dans l'explosivité, notamment sur quelques contrôles, sur le deuxième but qui tout simplement est l'apogée de son entrée. Oui, bah, c'est normal, il revient petit à petit à son meilleur niveau et il retrouve ses qualités. Il devait prendre un petit peu de temps après sa longue blessure pour retrouver l'ensemble de ses,
de ses qualités, celles qu'on avait vues la saison dernière du côté de Nancy. Et ça se concrétise petit à petit et ce sera un de nos principaux atouts sur la fin de saison, oui. Rigolo à voir. Wagner, c'est déjà c'est un tout petit homme, vous voyez courir, c'est très drôle de voir ça. Mais il a aussi une tendance à, quand il reçoit le ballon en pivot, avoir le cul en arrière totalement comme ça. D'ailleurs, il doit avoir une faute à un moment là-dessus. Il prend une faute d'un défenseur qui est passé. Il était très frustré d'ailleurs, il y a deux fautes. Ah, il met une énorme mandale dans le sol. Il fait trembler le Matmut. Super beaucoup de points. J'ai pour réagir à ce qu'on nous dit dans le chat, j'ai le Nagreux qui nous a fait une petite apparition et on le salue. J'ai la maison du Grenat qui a toujours des avis bien éclairés, qui nous dit que cette deuxième mi-temps, elle est assez contextuelle parce que c'est certainement le fait d'être mené qui nous fait reprendre comme ça. Et qui nous dit que si on démarre la deuxième mi-temps à 0-0, vu que imaginons que Bordeaux ne marque pas sa seule occasion cadrée, peut-être que le statu quo qu'on a vu en première mi-temps dure plus longtemps. Est-ce que vous rejoignez la maison du Grenat là-dessus? Oui, totalement, on peut être d'accord. C'est ce qui a provoqué une sorte de demi-réaction en première, sans avoir vraiment les outils et les intentions, du moins sans avoir préparé ça, à chercher un peu plus et à contrôler un peu plus le ballon. Ça s'est vu dans l'autre sens aussi. C'est après notre but que Bordeaux s'est mis à retenter de jouer au ballon. C'était impressionnant comment pendant 25 minutes ils ont pas touché de terre. Forcément, c'est justement ça qui est frustrant, c'est de devoir un peu attendre les intentions de l'adversaire pour pouvoir en dévoiler de notre côté. Dans ce match, les gars, classe, Titi, il y a eu un micro événement. C'est la rentrée à 25 minutes, je crois, de la fin du match de Vincent Pajot, qui entre, je crois, vers la 65e minute, si je dis pas de bêtises. Déjà, qu'est-ce que vous avez pensé de son entrée, tous les deux? Et est-ce que, selon vous, on est amené à le voir titulaire dans les prochains matchs? Titulaire, je sais pas, mais il va s'installer dans la rotation de nos trois, maintenant quatre avec lui milieu, donc en banc Maïga et Sarr, qui est avec sa deuxième mi-temps encore aujourd'hui, qui va être indéboulonnable jusqu'à la fin de la saison, je pense. Mais je l'ai trouvé un peu plus percutant qu'Angban. Il jouait peut-être 5-10 mètres un peu plus haut qu'Angban, et on l'a vu faire quelques petites interceptions qui étaient bien senties, comparé à Angban que j'ai encore du mal à trouver tranchant dans son rôle de relayeur et de casseur de ligne. Donc ça fait du bien, je pense que ça fait du bien pour lui et pour nous de voir qu'on va pouvoir compter sur lui. On va voir comment il s'inscrit dans la rotation de l'effectif sur la semaine qui arrive, vu qu'on va jouer deux fois en 4 jours. Mais ouais, j'ai hâte de le revoir un match complet sous les couleurs Grenat. Titi, qu'est-ce qu'on va pouvoir compter sur lui sur le long terme? C'est ça. Voir s'il rechute pas, oui. Sachant que sa fin de contrat est l'année prochaine, est-ce qu'on pourrait pas le voir finir un peu on l'a vu cette fois, mais on a vu Renaud Coad, la fin de carrière à Metz de Renaud Coad avait terminé un peu en autre boudin. Est-ce que c'est On l'espère pas, bien sûr, mais ça peut peut-être arriver pour un Vincent Pajot. Bah, il est jeune, hein, il a encore que 29 ans. Je crois même pas qu'il a eu 30 ans, donc il a encore quelques années devant lui. Hein. Tu vois, c'est le tango d'Achille qui vit au milieu de terrain, les gars. J'ai à côté de Vincent Pajot et de Victorien Houman, dont on a déjà parlé. Il y en a un forcément dont on va bien parler, je pense, dans les prochaines minutes. Et Titi, je veux t'entendre là-dessus. C'est sur, bien évidemment, Pape Matar Sarr, 18 ans. C'est sa 7e titularisation, je crois, si je dis pas de bêtises en Ligue 1. Je vérifie ça tout de suite, mais c'est sa 8e titularisation en Ligue 1. Il nous fait un match encore une fois. Alors peut-être une première mi-temps un peu plus timide que d'habitude, mais une deuxième mi-temps exceptionnelle. Oui, si vous vous souvenez de la première émission qu'on fait, ou peut-être la deuxième, j'étais pas chaud pour qu'il soit titulaire indiscutable jusqu'à la fin de saison. Je peux plus tenir ce discours aujourd'hui. Effectivement, je trouve qu'on l'a pas beaucoup vu en première mi-temps, et c'est peut-être un petit peu pour ça aussi qu'on j'ai trouvé qu'on sautait beaucoup le milieu de terrain pendant les 45 premières minutes. On balançait beaucoup devant sur Gueye,
alors que il a pris les choses, enfin, il a pris les choses en main au retour des vestiaires et on a beaucoup plus posé le ballon, même s'il y avait encore pas mal de déchets dans l'équipe en général, mais c'est lui qui est le moteur, on va dire, de nos velléités offensives et c'est ce qui nous a manqué entre autres en première mi-temps. Rémi, un mot ou plusieurs pour décrire la performance de Pape Matar Sarr cet après-midi? Que dire, je suis assez épaté déjà de 1, je l'ai déjà dit, par sa capacité à jouer dans plusieurs registres et particulièrement sa capacité à gagner des duels. C'est un mec qui a quand même certains petits gabarits, il a un gabarit, mais bon, il est assez frêle, assez élancé. Tu l'imagines pas être solide comme ça dans les duels. Il est capable d'aller chercher des ballons, d'aller tenir debout, de gagner des fautes. C'est assez impressionnant. La deuxième chose qui m'impressionne, qui m'a impressionné dans ce match, c'est son occupation du terrain. Il s'est pas cantonné à un rôle de milieu axial, de milieu relayeur. Il a été dans énormément de zones, particulièrement la gauche, mais il allait chercher des ballons dans les 15 mètres adverses. Il allait, c'est impressionnant les intentions que ce joueur a, l'audace, le manque de peur qu'il a. C'est un plaisir de voir ce genre de joueur jouer à Metz, c'est un joueur qui enflamme, comme on voit. Ouais. Ouais, il me fait penser à certains moments à un profil de milieu box-to-box qu'on a rarement eu au FC Metz, parce que un peu moins sur ce match, mais contre Nice, il a fait des retours défensifs assez extraordinaires. Et là, on le retrouve en soutien de Delaine à gauche, on le retrouve dans les 30 derniers mètres pour essayer de distiller les derniers ballons. Il est partout, comme tu viens de le dire, Rémi, et c'est. Je n'ai pas souvenir qu'on ait eu beaucoup de profils comme le sien à Metz. Il faut aussi rappeler qu'il a que 18 ans, le gamin, quoi, et c'est incroyable. Je ne sais pas si on va pouvoir le garder très longtemps. On a Dion Barista qui nous dit tout simplement, dans la mesure la plus totale, meilleur joueur du monde dans le chat. D'ici à ce qu'on dise qu'on est le meilleur joueur du monde dans notre effectif, c'est vrai que moi aussi je suis bluffé par sa capacité à se retourner, même sous pression, avec la balle au pied. Et surtout cette réactivité, cette constance qu'il a dans le rythme pendant 90 minutes. Et je vous rejoins tous les trois en disant qu'on est certainement sur un bijou quand même, un joueur bijou pour le FC Metz. Le FC Metz s'est imposé 2 buts à 1 sur la pelouse de Bordeaux, chose qui n'était plus arrivée depuis 1980. On est allé chercher une victoire à Nice qui n'était plus arrivée depuis 95. Depuis 95, bravo. Et à Lyon depuis 97. On est donc sur un FC Metz qui fait tomber les séries, sur un collectif qui est capable de faire des choses incroyables et qui a une force collective assez bluffante. Je pense que, connaissant la génération, qu'on fait un peu partie à peu près de la même génération, Classe, tu n'hésites pas à me donner tort ou à me dire que. Je vais rester poli vu qu'on est en public. Mais on est à peu près de la même génération. Je pense qu'on n'a jamais autant pris notre pied sur un collectif du FC Metz comme celui-là en Ligue 1. Et je pense que le silence qui va suivre va me donner raison. Donc, le FC Metz, avec cette victoire, a forcément un match d'avance. Mais le FC Metz est 5e de Ligue 1. J'avais une question à vous poser, et on se l'est posé en début de. Juste avant l'émission, c'est de savoir si le FC Metz était capable d'accrocher cette 5e place à la fin de la saison. On attend votre avis dans le chat, bien entendu, là-dessus, et n'hésitez pas à nous le donner. Nous, sur le plateau et dans cette arène du Grenat Football Club, on a deux chroniqueurs qui s'opposent là-dessus. On a Classe qui est un peu plus, on va dire, qui est un peu plus enflammé sur ce fait-là, qui pense que le FC Metz va s'accrocher à cette 5e place, et Titi qui est peut-être un peu plus réservé. Je vais d'abord donner la parole à Classe. Pour toi, le FC Metz peut accrocher cette 5e place au vu des performances des autres équipes qui font partie de ce wagon de la Ligue 1? On va pas se mentir, ça va être compliqué, mais c'est l'année ou jamais. Parce que c'est l'année où on brise des séries, c'est l'année où on fait des résultats à l'extérieur. Bon, je dis pas que les matchs à huis clos ont très certainement un impact sur nos performances à l'extérieur, vu qu'on n'a pas vraiment, on ressent pas du tout la pression du 12e homme. Mais
Moi, j'ai l'impression depuis plusieurs matchs, peut-être depuis le mois de janvier même, qu'à cette équipe-là, rien ne peut lui arriver. On est mené à Brest, on gagne 4-2, on mène contre Nice, on est mis sur le reculoir, on arrive à gérer la fin de match et on ramène une victoire de Nice. Là encore, on est mené 1-0, on peut prendre le but du 2-0, l'espèce de manqué immanquable à la 60e qui devait finir 90 fois sur 100 au fond des filets. Et derrière, on arrive à en placer deux. C'est il y a 2 ans, il y a 3 ans, toutes les saisons qu'on a connues en tant que jeunes supporters de 20 à 30 ans de notre génération, ben normalement, on prenait des piles après ça. Et là, aujourd'hui, on est cinquième. On a joué la plupart des équipes qui sont derrière nous. Donc, oui, on va avoir un gros calendrier d'ici la fin de la saison. Mais je pense que justement, les équipes derrière nous, elles ont tendance à nous prendre au sérieux. Et les équipes devant nous, peut-être qu'elles vont se dire, c'est Metz, on va peut-être lever un peu le pied. Donc, il y a peut-être un coup à jouer. On ne s'était pas fait monstrueusement bouger, même si c'était les 4 premières journées contre Monaco, Lille et PSG. Je rappelle qu'on a pris, on a perdu des points aussi contre l'OM à la 95e minute. Il y a une âme dans cette équipe, malgré les blessures, malgré la perte des points qu'on a jugé pour certains bêtes et inutiles en fin de match, en tout début de saison. Ben ouais, on a envie d'y croire, putain. Et c'est pour une fois, on a bouffé notre pain noir pendant des années et on se dit, ouais, ça serait... je rejoins hein, tous ceux qui pensent, et moi je l'ai dit encore la semaine dernière, on n'est pas structuré pour l'Europe, mais on a envie. Emmenez-moi au pays des merveilles, parce qu'il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. D'accord. On termine sur cette jolie note de de variété française pour essayer de convaincre, je pense, ceux qui sont les 25 personnes qui sont dans le chat. Anne-Sophie qui nous dit que c'est possible, mais que ça va être compliqué. Et Listoy qui, lui, est beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus enflammé et qui espère qu'on va gagner cette première conférence League qui va se jouer l'année prochaine. Toi, Titi, est-ce que toi, t'es pas dans cette optique? Tu penses plus qu'on n'est pas vraiment fait pour atteindre cette cinquième place? Je veux pas Oui, que tu passes pour le pessimiste de service, hein, mais je pense que tu as des arguments tout à fait valables là-dessus. c'est le débat du jour. Il y en a un pour, un contre. Ouais. Oui, non, mais Antonetti, en conférence de presse l'autre fois, avait dit que quand il a signé son contrat en 2018, il discutait avec le président du fait de maintenir le club en milieu de tableau entre la 8e et la 14e place. Dans un premier temps, donc on est beaucoup trop en avance, si j'ose dire, sur le plan. Et donc, comme l'a dit Classe, on n'est pas du tout structuré. Pour ça, est-ce que je ne pense pas qu'on ait la capacité de gérer des déplacements en Coupe d'Europe, potentiellement jusqu'en Russie ou je ne sais où, au nord de de la Norvège ou au sud de la Turquie. On voit bien, on a bien vu ce mois-ci que jouer tous les 3 jours, c'était très compliqué. Parce qu'on a un effectif trop court et je ne sais pas ce que serait l'effectif la saison prochaine, surtout si on perd Boulaya et 111. On ne sait pas qui on va récupérer à la place. Sur la saison en cours, je voudrais souligner que notre défense, qui était notre principal point fort de la partie aller de la saison, pardon, n'est plus aussi hermétique. Cet après-midi, c'est notre 6e match consécutif en prenant un but, même 7e si on prend en compte la Coupe de France. Et je pense qu'il vaudrait mieux vraiment s'installer comme il faut en Ligue 1 et en première partie de tableau, et avant d'espérer la Coupe d'Europe, et pour ne pas être un petit peu une étoile filante qui retombe aussi vite qu'elle est montée, en fait. Et ce qui pourrait nous mener à je le souhaite pas bien sûr, mais à une dégringolade et à repartir pour jouer le maintien plusieurs années de suite, ce qui n'est pas souhaitable. Et enfin, je terminais sur le calendrier qui nous est pas forcément favorable. Et je pense plutôt qu'un club comme Montpellier qui nous ressemble un petit peu, qui est un petit peu au stade suivant, je dirais, qui est installé en Ligue 1 depuis pas mal de temps maintenant. Et qui a de vrais arguments, une vraie structure, je dirais, pour jouer l'Europe, et qui en plus a le calendrier le plus facile de tous les concurrents à l'Europe, puisqu'ils jouent seulement Lille et Marseille,
Et puis le reste, c'est la deuxième partie de tableau avec des Dijon, des Nîmes jusqu'au bout. Donc je pense que à choisir, je verrais bien Montpellier terminer cinquième. D'accord. Donc toi, tu es plus dans une optique de progression, un peu comme le dit Antonetti, où on va essayer plutôt de s'installer tranquillement. Il y a Le Nagreux et la Maison du Grenat qui te rejoignent un peu là-dessus, qui estiment que finir 7e par exemple serait excellent pour donner de la visibilité, je pense, au club, et pour qu'on se renforce un peu l'année prochaine pour pouvoir mettre l'Europe comme objectif, on va dire, réaliste. Pour toi, Rémi, aussi, l'Europe, c'est pas encore et cette 5e place, ou même la 6e, c'est pas encore un objectif réaliste pour le club? Avant de parler de la saison prochaine, si jamais on se qualifie, je pense qu'il faut déjà savoir, réfléchir à la question, est-ce qu'on est capable de tenir ce rythme-là jusqu'au bout? Et on est tellement nombreux à dire que ça allait être compliqué, mais depuis plusieurs semaines, mais cette équipe, elle tient le coup, et elle tient, même dans les périodes difficiles. On avait eu un petit creux avec un point pris en 3 matchs, on s'est dit, ah, peut-être un petit couac, cette équipe, elle s'est relevée en gagnant 2 matchs à l'extérieur en une semaine. C'est impressionnant. Pour une équipe de bambins comme ça, de néophytes de la plupart, c'est impressionnant. Voilà, je ne sais pas si on sera capable de tenir exactement jusqu'au bout, mais c'est prometteur. Après, il y a un autre truc qui va compter dans la balance pour la saison prochaine, c'est attention au déséquilibre dans l'effectif. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va perdre un ou deux joueurs clés. On sait qu'il y a des chances qu'un Boulaya puisse dire bye-bye, qu'un 111, pareil, il l'a dit dans le Dauphiné, qu'il était plutôt chaud à partir. J'ai de plus en plus peur, à force de voir Sarp performer comme ça, que l'aventure se finisse très vite. Ça me paraît un peu compliqué d'aborder une nouvelle saison sans avoir de valeur sûre à des postes clés comme des Boulaya ou 111, dont on sait qu'ils sont des valeurs sûres. J'ai peur de la dégringolade sur le mercato et des défis ratés. Voilà. Après, bon, le truc, c'est que si on se qualifie pas en Europe, qu'on entame 3 matchs perdus, on va redevenir capricieux parce qu'on a pris à la victoire maintenant et qu'on est des enfants gâtés. Ça y est, c'est la fin de la bonne époque où on savait que finir 19e de Ligue 1 et rejouer la montée l'année d'après, c'était la logique. Maintenant, ça ne l'est plus. Attention, j'ai peur du retour de bâton dans quelques semaines. On a, je reprends juste un commentaire d'Anne-Sophie dans le chat qui nous dit qu'elle nous attend à Dundalk pour un déplacement européen. Petite parenthèse, je vous conseille d'aller écouter le dernier engrenage où justement Anne-Sophie intervient pour nous expliquer sa vie d'expatriée en Irlande du Nord et sur savoir comment elle suit les matchs. C'est hyper intéressant et on la salue, elle qui nous regarde comme d'habitude pour faire du Grenat Football Club une émission internationale. Les amis, on a fait le tour de la question, je pense. On va voir un peu comment ça se passe pour ce FC Metz qui dépasse toutes les attentes, comme on l'a vu cet après-midi, malgré un match qui était mal embarqué. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce match. Maintenant, on va passer pour tranquillement se lancer dans cette soirée et passer un bon week-end. Je vous propose je vais vous proposer le quiz habituel. Tout d'abord, je vais quand même remontrer la question du jour. C'est la question on met le débat du soir, mais c'est bien évidemment la question du jour. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires si vous pensez, dans les commentaires en replay ou même là dans le live actuellement, si vous pensez que le FC Metz peut accrocher cette cinquième place. Surtout aussi, je vois qu'on est toujours aussi nombreux. N'hésitez pas à nous balancer vos petits likes pour aider le projet, c'est important pour le référencement du projet. On a mis quelques heures, on a mis quasiment une journée, je crois, à atteindre la vingtaine de likes sur les dernières émissions. Là, je pense que, vu ce qu'au fond de nos essais, on est capable d'atteindre les 57 likes en une journée. Moi, je vous propose ça comme objectif, donc quand vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à balancer vos petits pouces bleus. Les amis, on va passer donc, comme je vous le mets ici, au quiz du jour. Je l'ai fait pour rester transparent avec vous. Je suis allé voir le match chez Class & Dutch et j'ai réfléchi à une idée de quiz pour terminer cette émission tranquillement. On va partir, comme les dernières fois, sur les idées de mort subite. Et donc là, ça y est, Titi revient dans le game. Donc Rémi, Class, je vous souhaite bon courage. Là, je pense que quand même ce quiz est prenable pour vous.
Donc on vient de jouer les Girondins de Bordeaux. Une équipe qui ne nous réussit pas beaucoup. Une bête noire contre qui on avait pu gagner depuis 41 ans. La dernière fois qu'on avait pris des points à Bordeaux, je me demande si c'était à Chaban ou Matmut Atlantique, c'était le 25 avril 2015. Un partout entre Bordeaux et Metz. 34e journée de Ligue 1. C'était à Chaban ? Ouais. Ah ouais. Va falloir sortir la compo. Oh putain. Voilà, vous êtes 3. Il y a 11 joueurs et donc 13 joueurs qui jouent ce match, 11 titulaires et 2 remplaçants. Allez, pour vous faire cadeau, je vous demande aussi l'entraîneur. Donc 14 noms, mais ça va me sortir. 11 titulaires, 2 remplaçants, 1 entraîneur. Chacun votre tour. Moi, je vais faire dans l'ordre des caméras, là, dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Ça va commencer par classe. Continuera avec Rémi. Et ça finira par Titi. Bien évidemment, moi, je suis exempté de quiz. Et aussi, je vous demande, les gars, bien évidemment, de faire abstraction du chat que vous pourriez voir et que vous seriez tenté de voir sur vos téléphones. Donc voilà, je vous laisse réfléchir un peu et on va commencer. Donc déjà, est-ce que vous revisualisez un peu le match ou pas du tout ? Pas du tout. C'est bien, je crois que c'est bien parti. Très bien. Du but. 2015, c'est quel moment ? C'est quel mois ? C'est en avril 2015, 34e journée avril 2015. De Ligue 1. Le FC Metz terminera 19e de cette saison. Sera relégué. Et saison 2014-2015, donc le 11 titulaire, les deux remplaçants et l'entraîneur du FC Metz. Classe, c'est parti. Là, je vais encore être ridicule, j'en ai marre. Chef Diabaté ? Oh non, Diabaté, c'est après. C'est après ? Oui, c'est après. Bon, bah classe. Voilà. Terminé, bonsoir. Un petit tour, et puis s'en va. Voilà, j'ai zéro mémoire de toute façon pour ça. Donc, Voilà, Cheikh Diabaté qui vient plus en 2017-2018, si je ne me trompe pas. Ou 2017. Ouais. Laisse tomber. Donc, on est trois ans avant. Je pense que la victoire t'a fait tourner la tête. Ouais. Rémi, donc ça va être un duel, ça va très vite. Ça va être un duel entre Rémi et Titi. Rémi, c'est à toi. Allez, facile, le buteur, Ferjan Issassi. Ferjan Issassi, c'est bon. Titi. Tout est sur cette liste. T'es un malade. L'entraîneur, c'était Albert Cartier. Albert Cartier, c'est bon. Rémi. Florent Malouda. Florent Malouda, c'est bon. Titi, à toi. J'espère que le gardien était Johan Carasso. Johan Carasso n'était pas gardien du FC Metz sur ce match. Je pense qu'il se blesse. Je pense qu'il se blesse parce que c'est Anthony Mfa qui est titulaire. Oh, quelle horreur. À Chaban. Et c'est David Aberhauser qui est sur le banc. Bon, donc on a donné... voilà, ça a été rapide. Bah, Rémi, bravo. Déjà pour cette belle victoire. Je vais quand même te donner l'honneur de continuer ta superbe liste que tu viens de nous faire. Donc tu viens de nous donner. Donc on a donné Anthony Mfa. J'ai donné David Aberhauser. J'en suis désolé si tu l'avais. Mais donc tu m'as donné Ferjan Issassi. Je te laisse continuer sur les noms. Donc j'avais Issassi Malouda. Après le reste, je suis plus sûr. Je pense que Kashi joue. Ouais, Ahmed Kashi joue. Je pense que Maïga est en pointe et remplacé par Falcon. Maïga, il est en pointe, malheureusement. Et ta photo de profil Twitter ne sera pas récompensée. Ça, c'est le match. Juan Falcon n'est même pas sur la feuille de match. Ah ouais. C'est. Je me demande d'ailleurs si c'est pas. Ouais, c'est Fahreddin Ben Youssef qui remplace. Oh là là. Mais moi, j'ai effacé de ma mémoire ces gens-là. Après, dans l'axe, je pense que Palomino joue. Il fait une deuxième partie de saison énorme. Bien entendu, Palomino, titulaire. Il joue avec Marshall ou Milan, mais je dirais Milan plutôt. Milan, ouais, bien évidemment. À gauche, c'était Guzman, à l'époque.
Ce n'était pas Gaëtan Busman. Gaëtan Busman est remplaçant. Et le jeune qui prenait la place de Busman. Ouais, c'est Kevin Lejeune. Kevin Lejeune prend un jaune sur ce match. Ensuite. Est-ce qu'on n'a pas un Sergei Krivets? Non, malheureusement, on a un Sergei Krivets, non. Il doit y avoir. C'est Jorib ou le Tus à droite. C'est le Tus, Romain Métanir, le roi de la MLS, qui est titulaire sur le latéral droit. Romain The Machine. On le salue. Après, on en a fait quoi, 9 là Alors là, écoute, il en reste. Alors, celui-là, tu m'as donné. Il en reste un. Il reste un titulaire. Non, il reste deux titulaires que vous m'avez pas donné. Formé au club d'ailleurs. L'ailier droit, qu'est-ce qui était l'ailier droit? Il n'y a pas Bounassar? Bounassar, exactement. Et il reste peut-être un remplaçant mythique milieu du FC Metz. Girandendo rentre. Girandendo, que je dise pas de bêtises, rentre à la place de Ferjani Sassi, buteur. Pour l'apport technique en fin de match. Exactement. Et il reste un milieu gauche qui joue à gauche ce match-là. Mbakoto. Ailier sur le. Ailier formé au club Yeni Mbakoto, c'est une bonne réponse. Donc ouais, Mfa au but, Lejeune, Palomino, Milan Metanir en défense, Mbakoto, Sassi, Malouda, Kashi, Sar au milieu et Modibo Maïga. Ouais, tu vois, c'est une période aussi que je vais oublier, que je suis en train de remplacer doucement par le fabuleux présent que nous offre le FCMS. Donc ouais, Modibo Maïga titulaire, et donc on a Fakhreddine Ben Youssef, l'incroyable Fakhreddine Ben Youssef qui rentre, et l'incroyable Girandendo qui sont rentrés. Des changements tactiques payants d'Albert Cartier, puisque Wahbi Khazri égalisera à la 83e minute pour un match nul. Quelle magie quand même qui nous a apporté Gaio avec le recrutement de Ben Youssef. C'était incroyable. Et je pense que c'était un package. T'en prends un, t'es obligé de prendre les deux. Sassi venait, ils l'ont mis dans la soute en même temps que Sassi. Donc en ouvrant le sac, les deux sont sortis d'un coup. Mais le pire, c'est qu'on fait une plus-value en revendant Ben Youssef, je crois. C'est possible. Je ne sais même plus où il part, mais c'est possible. Il y avait du business à faire avec des Tunisiens, je pense. Ouais. T'as un point de bonus sur le prochain quiz si tu me donnes la destination Fakhreddine Ben Youssef. Bah, il est rentré en Tunisie. Ouais. Espérance de Nice. Ah, c'est vrai. Peut-être le club africain, je dirais. Moi. Alors là, les gars, franchement, bon, écoutez, là, je fais tourner les machines de stats à plein tube. ES Tunis ou ES Sahel, et c'est Sassi qui rentre à Sfax. C'est l'Espérance Tunis, ouais. Mais Ferjani Sassi qui continue à faire. Et les deux font des matchs en sélection après, hein, je crois, en 2018. Je pense qu'ils sont à la Coupe du Monde. Sassi, ils sont à la Coupe du Monde. Sassi a marqué à la Coupe du Monde. Incroyable, je crois. Incroyable. Le SMS était un vortex horrible pour lui. Je t'ai vu, je regardais pas les matchs de l'Espérance de Tunis pour voir Fakhreddine Ben Youssef. Incroyable. Bon, voilà. Quiz qui aurait été vite remballé, du coup. Pas trop de suspense. Il y a Anne-Sophie qui nous dit, ça me rassure, le seul nom que j'avais, c'était Cartier. Et Geoffrey qui nous dit, vous vous rendez compte quand même du glow-up qu'on a eu en 5 ans là avec ce club. C'est vrai que là, bon, le FCMS, on est loin de cette période-là. Le FCMS est désormais 5e. On va en profiter pour essayer de revivre des émotions positives et continuer à faire des débriefs endiablés comme on vous le fait, comme on essaie de vous en faire à tous les matchs. Voilà, je voulais vous remercier à tous ceux qui étaient sur le chat, qui étaient présents. Qui était présent cet après-midi après cette splendide victoire du FC Metz chez les pauvres Girondins de Bordeaux, chez qui la fin de saison va être bien bien compliquée. Merci d'avoir sacrifié une partie de votre après-midi pour nous. Ouais, on vous remercie amplement, et n'hésitez pas, donc si vous êtes en replay, à liker l'émission et à vous abonner. On est là chaque match pour débriefer les matchs du Football Club de Metz. Messieurs, je tiens à vous remercier, vous aussi, classe, Titi, Rémi, c'était un plaisir de vous avoir pour débriefer ce match. On va se donner rendez-vous pour le prochain match, c'est mercredi face à Angers à 19h. On remet ça mercredi, on sera là. Voilà, on sera là et pour vous faire vivre cet après-match qu'on espère tout aussi endiablé que celui d'aujourd'hui. Voilà, messieurs, je vous souhaite à tous une excellente, un excellent début de soirée. Du coup, on va basculer sur Dijon PSG pour ceux qui le veulent. Et on va tranquillement vivre une fin de une suite de week-end bien bien tranquille après la victoire des Messins. Salut à tous.
Bon week-end à tous. Et on emmerde les Lensois.